Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour un épisode spécial, vu que c'est l'épisode du mois. Ah bah tiens. Ah bah je suis sur Skyrim en direct et je me fais agresser par des voyous. Je suis à un niveau 10, ça c'est pas quelque chose d'exceptionnel, donc bah, je m'occupe de ces voyous, je reviens parce que c'est normalement la... Oh bah voilà, gros coup critique avec mon barbare. Ça c'est fait. Non voilà, donc merci de me laisser tranquille, espèce de voyou de mes deux. Donc je voulais simplement mettre un peu de vidéo sur ce que je vais dire, parce qu'aujourd'hui ça va être simplement une vidéo assez courte concernant, ça y est, ça fait un mois depuis la dernière vidéo récapitulative de la chaîne, donc j'en refais une, on est le 15, comme tous les 15 du mois, j'en sors une. Et donc ce mois-ci, que dire, le bilan du mois, j'ai sorti Pickle Blocks, la saison 1, qui a été assez appréciée, en tout cas j'ai eu des bons retours positifs. Enfin pas beaucoup, c'est un problème, il y en a... vous n'êtes pas beaucoup à mettre des commentaires, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, juste pour que je sache si c'est bon, si c'est pas bon et tout ça. Je compte faire une saison 2 après la saison que je suis en train de tourner. Il va y arriver juste après Pickle Blocks, qui est bientôt fini. Il va y avoir Age of Empire acte 1, Age of Empire 3, si... pardon. Il va y avoir ensuite Spore. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller chercher S-P-O-R-E. C'est un jeu super, je vais faire une aventure suivie dessus jusqu'au bout du jeu. Parce qu'il y a, oui, il y a un but avec la donne, en tout cas j'irai avec la donne Aventure Galactique, qui est très sympa. Vous verrez, j'ai déjà tourné 11 épisodes, c'est parti pour au moins une vingtaine, à peu près. Ce qui fera presque deux mois. Et ensuite je compte repartir sur Pickle Blocks saison 2. Je pense qu'au final ça sera à peu près bon. Pour ce qui est du reste, et ça y est, je viens de dépasser les 30 abonnés, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, je suis content que 30 personnes au moins apprécient ce que je fais, c'est super. Je vous remercie tous, même ceux qui regardent cette vidéo alors qu'ils sont pas abonnés, vous avez regardé mes vidéos, si vous les appréciez je suis content, si vous les appréciez pas, j'aimerais bien que vous me dites pourquoi, que vous puissiez me dire, sinon ça se dit pas, vous me dites pourquoi, ça se dit pas ça. Voilà, je vous remercie quand même, même si vous dites que ce que je fais c'est de la merde, je vous remercie quand même parce que vous portez un minimum d'attention à ce que je fais, ce qui est une récompense en soi en fait, ce qui est un peu une récompense en soi, je suis content, je suis vraiment content. Que dire d'autre, j'ai toujours pas changé de matos, mais il est arrivé, il faut juste que j'aille le chercher, donc à partir de là, je vous entendrai plus les punaises de clics de souris ou les touches du clavier, ça ira beaucoup mieux. Sinon, quoi d'autre, je vais essayer de sortir un peu plus d'épisodes multi ou genre de trucs. Ah, et puis aussi, il devrait y avoir un let's play tout court sur Towns. J'ai fait le guide pour bien débuter à Towns, qui a permis de démarrer ma chaîne. Et là, je voudrais faire un let's play, parce qu'il m'a été demandé. Je suis plutôt content que quelqu'un m'ait demandé à faire ça. Je sais plus ton nom, mais je pense que tu vas te reconnaître si tu regardes encore mes vidéos. Je vais faire un let's play sur Towns, peut-être pas que pour toi, mais pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde appréciera ce que je fais. Ça sera un let's play, pas un guide, c'est-à-dire que là vous me verrez vraiment jouer, c'est-à-dire faire une vraie partie. Ça va être assez long parce que c'est long Towns. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Voilà voilà. Que dire de plus, pas grand chose. Si ce n'est que je vous remercie encore une fois. J'espère que vous appréciez ce que je fais, tout ça, comme d'habitude. Hein. Voilà, c'était une très courte vidéo, juste pour mettre au point sur le mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça sera, je répondrai sans doute dans le prochain numéro 15. Ça s'appelle numéro 15, entre guillemets. C'est le 15 du mois. C'est comme le 29 avec Antoine Daniel, sauf que c'est le 15 avec Célandron. J'ai pas trop fait exprès, c'était pas fait pour, mais je me suis dit, pourquoi pas tous les 15. Sachant que je suis né un 15 d'un certain mois. Attention, devinez lequel. C'est plutôt intéressant. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura intéressé. Cette vidéo explicative assez courte, je dois l'avouer. Mais c'est importante. Je trouve que c'est plutôt bien de faire un petit récap tous les mois, comme ça. Pour ce qui est l'avancement de la chaîne, le futur de la chaîne. Voilà. Et ben je vous remercie tous autant que vous êtes. Et puis voilà. Et ben à la prochaine. Salut à tous.